C'est génial de recommencer. Là, je sais pas ce qu'il fait, on brûle la patte, ça fait rien. La tête, bordel. Voilà, c'est là, je comprends pas comment ça sort, ça. C'est assez chiant. Je sors des attaques, je ne sais comment. Aïe. On comprend même pas les attaques qu'il lance. Le chien lève la tête en l'air, t'es censé deviner que des blocs de glace vont retomber sur ta tronche. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a jamais fait ça, le monsieur, aussi. Va le tabasser au niveau de la tête. Merci. Non, t'attaques pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bouge. Merci. Bouge. D'accord, je vais esquiver, je ne sais pas comment. Là, le coup de patch, je l'ai pris en pleine tronche. Allez, allez. Ouah, mais calme-toi, le clébard, là. Putain, là, je suis carrément bugué dans lui, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, tout simplement. Yo, salut. T'es méchant, Soso, je vais appeler la SPA. Non, rien à foutre. Il va me bouffer, le chien, non mais oh. Merde. Alors faudrait que je réessaye ça, mais au bon moment peut-être. Aïe, mais oui, bah oui, bah maison partout. Aïe. Ah, le coup de patte en pleine tronche, mais oui. Bouge. C'est bon. Mais c'est pas le moment de le faire tout de suite, ça, putain, mais il est sérieux, lui. Putain, je vais devoir cramer un item encore. Putain. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, je suis même pas dedans, mais ils sont sérieux. Bon, il va encore m'avoir avec la même technique. Vu que je ne sais pas l'esquiver correctement. Bouge. Non, c'est bon, on était à l'abri, d'accord. On va taper la tête. Voilà, il s'est regelé. Ok, apparemment il y a moins d'esquiver. Bouge, bouge, bouge. Ça, bien sûr, c'est bien la fin qui les relou, hein. Allez, prends des dégâts, bordel. Non, tu veux pas mourir. Ah si, quand même, oh là là. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Que c'est tout cool. Alors, arme composée de trois branches, un nunchaku à trois branches, mais what, ça existe ça? On n'a jamais vu ça. Donc Joanne aime bien cette arme. Bah, ça a l'air d'avoir une portée assez limitée quand même. Ah, ça c'est un peu lent, non peut-être, je sais pas.
Bon, on va le tester de toute façon. Et genre, ce que je dis, ça a des sens. Des doubles sens. Genre, par où ça sort, et il va en foutre partout. Merci, Johan. Comment le chien est mort? Dans une explosion bien dégueu. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Je sens la note de merde du C. 19 minutes. Par contre, j'ai fait pas mal de points. Ah oui, mais au début, j'ai fait de la merde. J'ai fait un aller-retour. Tu m'étonnes que j'ai perdu du temps. My God. Du B. Ouais. Ouais, il est sérieux. Comment il esquive les missiles? Ouais, bah il est trop swag. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Thug Life and Plagia. Je ne suis pas sûr que ce soit du plagiat. Le jeu date hein, déjà quand même. Hein. Donc à savoir si c'est pas plutôt dans l'autre sens ou je ne sais pas. Enfin, je sais pas à quoi tu fais référence exactement. La petite sauvegarde. Alors, on va faire le point sur les sous-sous. Suivant. Sinon, me demander le but. Ah bah, y'en a pas vraiment. Tuer tout le monde. Enfin, on sait pas trop, l'histoire se met en place. A storm is approaching. Je pense pas que Matrix est une référence à Devil May Cry 3. Je pense pas non plus, mais c'est pas non plus Matrix qui a tout inventé. Hein. Alors avant de passer à l'intruse. Faudrait que j'essaye un autre style, mais bon, je pense pas aimer. On va quand même tester... Gunslinger, je sais toujours pas comment on dit. Je pense que je vais pas aimer. On va regarder les détails avant quand même. Attends, mais il a pas de... Il a pas d'arme à feu. D'arme corps à corps ou quoi? Fuck. Arme à feu. Je sais pas si on améliore les armes à feu, est-ce que c'est vraiment efficace? C'est quoi ça? Windmill? Que? Alors du coup Cerberus. Revolver. Avec R1 enfoncé, appuyé sur triangle vers l'avant, ok. Et ça c'est quoi ça? Vers l'arrière. 1-1-1, maintenez triangle et il balance un truc, ok. Et ça, appuie sur quoi lors d'un saut? Pour l'instant on va économiser, hein.
Je sais pas trop, on va essayer les différents styles de combat et voir un peu. Bon allez, on attaque mission 4. L'intruse ! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sélectionner la carte. Vue du dessus. Quoi ? Depuis quand il y a des cartes ? Et à quoi ça sert la provocation ? À faire monter la note ? Coup d'œil à la carte, excusez-moi. D'accord, bon, on a accès à une carte. Je crois pas que c'était le cas dans les épisodes précédents. Bon. Bonjour. Comment se passe-t-il ici ? Je ne sais pas. On avance, je vois du feu. Ça fait peur le feu. Oui, tellement peur que je m'en vais. Alors après, le double saut, ça peut être pas mal quand même. Hein. Ça peut dépanner. Ouais, pour escalader certaines plateformes plus facilement. Bon, bah, on peut passer par là apparemment. On n'est pas obligé de passer par l'escalier ici. D'accord, le mec qui arrive pas à sauter, merci beaucoup. Parce que là, ça rejoint. Et si on part de l'autre côté... Où allons-nous ? Je ne sais pas. Tout se rejoint. Une porte bleue. D'accord. J'ai fait le tour pour rien. Merci beaucoup. Mais monte, bordel ! Dante, tu fais chier. Dante, tu te fous de ma gueule ? D'accord. Il a du mal à se déplacer après le deuxième saut. Donc on va passer par là, normalement. Hein. Salut tout le monde, hello. Non mais tu te moques de moi, Dante. Dante. D'accord. D'accord. À quoi ça sert de faire ça ? Ok. Mais du coup, ça on n'y a pas accès avec les autres styles ? Faudra tester. Sauter et rond. Je crois pas que ça fasse ça. Bon. D'accord. Ça finit par passer, ok, merci quand même. La pilule rouge, Soso. Je sais même plus la... Enfin, l'histoire des pilules. J'arrive. Et c'est quoi le délire là avec rond, en fait ? Attendez, laissez-moi vous sauter au-dessus de la tête, merci beaucoup. J'ai rien compris un peu. What the fuck ? Bon, je crois que non plus c'est pas un signe pour moi, ça. On va rester vraiment sur... le style basique. Et au moins ça permet voilà de varier l'expérience de jeu. C'est déjà pas mal. C'est quoi ça? Ça se casse pas apparemment, ok. Je sais plus si j'ai dit salut à Evan du coup. Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh. Ils sont chiants ces machins. C'est des trucs qui tirent là. Je suis en mode tireur moi aussi. Ça tombe bien. Alors, dans certaines situations, vous pourrez appuyer plusieurs fois sur une touche pour exécuter un combo spécial. Lorsque vous êtes à côté d'un ennemi à terre, appuyez continuellement sur carré pour lui... D'accord. Le mitrailler au sol, ok. Ah ! Dans ma graisse ! Et du coup, je peux plus esquiver comme j'ai l'habitude de le faire. D'accord, c'est de la merde. J'essaie de faire des trucs de merde, tout simplement. Arrêtez de me tirer dessus, bande de trop de cul ! Vous êtes cassé, bonbon.
casse bonbon. Il tape à côté, il est sérieux lui. Et merde, j'appuie sur rond pour esquiver quoi. Style par défaut est vraiment celui qui me convient le mieux. Hein. Il est où l'autre? On le voit même pas. Bon, on va s'occuper des tireurs. Pour ne plus être emmerdé par ces trous du cul. Hop 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 hop. Allez, un peu de fusil à pompe peut-être. On va voir ce que ça donne avec. Ah d'accord, je pensais que ça repoussait tout mais non. Le fait d'appuyer sur rond, il tire dans tous les sens mais ça sert à rien. Merci beaucoup Dante. Vive l'efficacité de ton truc hein, qui pue la merde. Tiens là je prends super cher. Heureusement il redonne de la vie mais bon. C'est pas très joli joli là ce que je fais hein. J'arrive, mais putain, mais il est perché là-haut le mec. Bon dieu. La tête de monstre, c'est chelou, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas beaucoup de monde sur le live. Bah, écoutez, en plus, moi je suis super concentré sur le jeu, donc je peux pas trop réagir à ce que vous dites. Déjà que je galère, alors si en plus. Je peux lire tout ce qui se dit. Bah, autant que je pose la manette. Non mais là je pense que Johan il fait autre chose à côté. Et j'en fais quoi de ça? À celui qui possède la volonté de la tempête, je lègue l'âme de l'acier. Que la volonté de la tempête. La volonté de la tempête. C'est quoi le nom de l'arme? Mais non, Cerberus et Rébellion, ça n'a rien à voir avec la tempête. Ok. Je n'ai pas compris. Il n'y a toujours pas les formes de démons pour l'instant. On va repasser un peu sur l'épée. Je n'ai pas compris. What the fuck? Bon, on essaiera de revenir plus tard peut-être. Statue. Silencieuse. Voyons voir. D'accord, il est sur FIFA 16. C'est pour ça qu'il participe pas activement dans le chat. Merde, j'ai même pas regardé ce qui se passe. Bordel. Je sais pas ce que j'ai fait. On relance. Il y a un truc qui bloque apparemment. Ok. C'est vous qui êtes trop lourd là, les statues là. Cassez-vous les statues! Fuck off! Merci bien! Allez, un petit coup de nunchaku! Take-chan! Bon, les thunes, ça monte assez vite. Je pense qu'il va falloir que j'hésite un peu moins à m'acheter des trucs. Allez hop! C'est pas le poids des statues le problème? C'est quoi alors? Ah si, c'était ça, ok. J'ai rien dit. Mais c'est que ça avait l'air de peiner au début. Ah, les ennemis. Alors on parle de Super Mario Maker. Genre je vais faire un live que de 30 minutes, pourquoi? Ça tourne rapidement en rond, oh, sûrement. Après je suis... peut-être amené à le déplacer. J'ai mis Mister Last dimanche, mais bon. J'ai pas trop réfléchi à la question. Ça dépend si Johan et Asnes jouent avec moi demain, sinon je le fais demain en fait. Avant de faire du FF7, je préférais de fiasco. Alors j'ai bien vu qu'il y avait une âme bleue en haut. Bah, le Nunchaku il est vraiment pas mal en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ah, la main qui m'agresse alors que je suis en train de faire des combos. Mais ils sont sérieux. Et merde, il me manque vraiment l'esquive avec rond, putain. Faut que je revienne sur le style de combat de base. Bouge ton cul. Merci. Aïe! Mais bouge! Mais tu bouges 15 ans après quand il n'y a plus personne. T'as rien compris à la vie le monsieur. Aïe, d'accord. Bon, c'est quand tu veux que tu décèdes, hein, mec. Ça fait 15 ans que je te cartonne.
Hop. Alors je sais pas si aussi le fait de changer d'arme, ça influence sur le la note du combo, je pense que oui. Des nouvelles de ce leader? Pas tellement. Il est toujours sur son métro. Son mode métro de Garry's Mod, la plupart du temps. Hop, donc moi je voulais les tester pour voir, mais bon, lui joue vraiment que à ça. Donc du coup, plus de League of Legends non plus. Enfin, c'est depuis qu'on a repris le... enfin, qu'il a repris la rentrée, quoi. Ok, ça c'est fait. Plus qu'une, et on aura une sphère complète. Bon, par contre, vraiment le style de combat... Bon, alors après, c'est stylé ce qu'il fait au flingue, mais bon, je crois pas que ce soit vraiment très efficace. Ou alors, faut vraiment booster l'effet des armes. Alors, les couleurs des portes, je sais pas si ça a une influence. Parce que je suis pas ultra concentré là sur le jeu. Alors, Soso, je vois plus les messages qui sont envoyés. Bah, ça vient de chez toi. Moi, je les vois. Alors, du coup, ils nous ont montré un truc. What? Déjà, apparemment, c'est pas la même salle, même si ça y ressemble. Hop. Alors, ils nous ont montré cette porte et une espèce d'interrupteur qu'il y a après. Non, c'était pas ça? J'en sais rien. Yo, salut, je viens d'arriver, bienvenue à toi. Donc, RIP, les jeux où je joue avec vous à part Agario. Bah, ça se refera peut-être un jour. Entre autres sur Chivalry, mais bon, faut que ça se fasse quoi. Alors une plaque présentant une entaille circulaire est placée devant un grand engrenage mobile. Ok, donc faut revenir avec un rouage ou je sais pas quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Salut Sorator, ça va? Oui. Merci. Et toi? Pour l'instant, je rage pas trop sur le jeu. Parce que je sais que quand je prends un coup, souvent c'est moi qui esquive mal, même si bon, la caméra se passe un peu mal parfois. Demain, pas de FF7. Si. Demain, Minecraft 14h. Ah bah, demande à Johan et à Snez. Moi, je suis partant. C'est pour ça que j'ai mis FF7. Renforce ton arme. Et laquelle? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? A plus, Evan. Bye bye. Sera tort. Non, je ne suis pas sur PS4. Je suis sur PS3. Le jeu n'est pas dispo sur PS4. Ah! What? C'est obligé ou c'est un malus à ce que je viens de prendre? Eh merde, je me mets au-dessus pour lui tirer dessus, quoi. Je sais pas si c'est un malus que je viens de prendre, bordel de chiottes. Parce qu'il fallait tracer sur le pont. Aïe! M'agressez pas, bordel. Je suis fragile. Envole-toi, ça marche pas avec une chaku, envole-toi. Et avec ça, ça marche. Trouduc. Trouduc. Hop, 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 hop. Aïe, on m'agresse dans le dos et le mec qui va péter, bouge ton cul. Et j'appuie sur rond pour esquiver, bien sûr, ça marche pas. Ah non, j'ai pris. Et merde. J'ai pris les dégâts. Merde, apprendre à viser, ça peut aider. Ok, une espèce de téléporteur. J'aurais bien aimé un peu de vie aussi, peut-être. Ça aurait été pas mal. Soso, c'est bientôt fini. Non, je suis qu'au début du jeu. Mais what? The fuck? Je n'ai pas compris. T'as quel âge, Sorator? 27 ans. Je n'ai pas compris. On va essayer la porte rouge alors, peut-être. Un verre dégueulasse, merci. Après, ça parlait de Johan. Il fait des lives avec moi, oui. Non mais, j'attaque un boss. Je n'ai plus de vie. Je crois que je vais me laisser mourir. Putain, je vais pas cramer des items alors que je suis mourant.
Ah, comment il attaque ce machin. Ah, au secours. Je comprends rien ce qui se passe. On va essayer de l'étudier un peu quand même. Apparemment, il rougit, ça veut dire qu'il y a des parties à péter, je pense. Meurs, truduc. Meurs. J'habite où? À côté de Clermont-Ferrand dans le 63. Bon, je crois que je vais mourir, hein, comme une grosse merde. Ah, comment j'esquive ça, bordel? Je ne sais pas comment je suis censé esquiver. Putain. Comment j'esquive ces tirs violets, là? Ah, au secours! Lâche-moi. Mais il tire même pas, là. Il attend d'être vraiment à ma hauteur, en plus. Non? J'en sais rien. Bon, il a pas l'air très compliqué, mais le problème, c'est que je suis allé sans vie, quoi. C'est pas cool, ça. Pas cool du tout. Pas cool. Il va encore faire le même tour? Apparemment, oui. Putain, la caméra qui est au top. Ah! T'as fini d'attaquer ou pas? Putain, là j'arrive pas à l'attaquer, il est trop haut. GG. GG. Mon dieu. Putain, je peux le voir s'il vous plaît? C'est pas trop demandé. Non, mais là il part trop haut, putain. Je sais pas si je peux lui monter dessus en fait. En tombant d'en haut. Et là il va me toucher là. Non? Il est où? Ah il est là. Laissez-moi tranquille. Je veux survivre. Même si j'ai pas de vie, on va essayer. Sans cramer d'item. Bon, sauf qu'il va sûrement s'énerver à un moment donné, donc il va être ultra relou. On va essayer le Nunchaku peut-être. Et puis là, si je suis en frontal, il me tire dessus. Faut que je m'écarte. La caméra au top. Et il est passé en fait. Non, il est où? Ah, il est au-dessus. D'accord. Je n'avais point capté. On va prendre de la hauteur. Hop. Il est où? Mais ouais, mais. Et oui, je peux pas esquiver avec rond, putain. J'ai appuyé sur rond et il a tiré. Ça vient de son style d'arme. Et si je veux changer, je suis obligé de recommencer parce qu'il n'y a pas de statut. Fais chier. Bon, au moins, je suis full life en théorie. Je dis bien en théorie. Est-ce qu'il remet de full life? Je suis full life, ok. Voilà, si on se met là, on peut bourriner. Ok. Par contre, il finit par faire de la foudre, apparemment. Donc, attention. Attention, attention. Hop. Ah merde, je suis passé à côté. Nya. Putain. Oh, punaise. On va reprendre de la hauteur pour l'attendre de l'autre côté, peut-être. Je ne sais pas trop. Ah. Comment j'esquive ça, bordel? Bien sûr, j'ai pas le temps d'aller me placer, du coup. Boss de qualité. En fait, c'était mieux quand j'étais en bas. J'arrive pour te taper dessus. Il va faire de la foudre, je vais prendre cher. Ah non, c'est juste qu'il tourne, ok. Donc si je l'attends là, est-ce que je peux lui sauter dessus? Ça lui est dit. Ah, il m'agresse. Et je l'ai raté du coup. Putain. Oh, le cul. Qu'est-ce qu'il fait là?
C'est quoi ce pattern de qualité là? Alors c'est pas grave, on bourrine. On se fait bourriner avec. Donc là, on va essayer de le choper à la sortie. Putain, les sauts de merde qu'il fait quoi. Ah, au secours. Non, c'est bon, ça passe. Easy. Easy. Par contre, ça n'a pas easy du tout. Oh my god. Allez, on frappe. Est-ce que je prends cher? Non, c'est juste qu'il se retourne en fait. Aïe! C'est quoi ces lumières bleues là? Et merde, j'appuie sur pour esquiver, putain. Bon, ça ne marche pas. Bonne nuit, il y a des gens qui s'en vont, bye bye. Là, je me concentre sur le jeu. Hein, donc, c'est un peu compliqué de lire tout ce que vous dites. Ah! Et voilà, on voit pas les boules venir. Et je me les prends toutes en pleine tronche. Et une deuxième. Oh non, et j'appuie sur rond, mais ça marche pas. Vu qu'il tire avec ce style de combat de merde. Putain. Et merde, j'ai raté. Je ne peux pas esquiver facilement. Ok, on va attendre ici qu'il revienne. Essayer de le choper surtout. Attention aux bouboules. Les grosses bouboules qui arrivent. Et je vois pas ce qui se passe en me mettant ici, c'est un peu con ça. Et apparemment, ça se passe plutôt bien. Hop. Putain, niveau dégâts, je vais être mauvais. Hein. Putain. Alors, est-ce qu'il va me tirer dessus si je suis ici? Comment ça se passe? Est-ce que ça monte jusqu'ici ou pas? Non, ça monte pas. C'est... Oh non, il est passé à côté. Putain, je vais monter dessus pour le tabasser et fait chier. Hop, et merde. Comment il va? Ouais, ça peut aller. Une question, tu as fait comment pour que Snake court aussi vite? Bah, il court tout seul. Je suis pour rien, moi. Il s'est entraîné, le monsieur. Allez, quelques coups de Nunchaku pour changer. J'ai quand même l'impression que c'est un peu moins efficace que l'épée sur lui. Allez. Nya! Est-ce que je suis à l'abri, là? Oui. Ok, on va se replacer pour l'attendre à nouveau. En fait, il est assez facile, le boss. Il est un peu chiant. Je sais pas si je le prends correctement. Mais ça passe. Bon, il s'approche ou bien? Qu'est-ce que tu fous, le boss? Non, tu retournes pas déjà! Putain, il est sérieux, là? J'ai pas eu le temps de l'achever, là. Vas-y, viens, je t'attends. Les boss, pas du tout longs. Non, mais il y a peut-être une technique. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je l'ai pris. J'aurais pu esquiver beaucoup plus. Dératisation. Ok. Donc ça, c'est fait. GG, merci. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une planche astronomique. Je me demande où ça va. Et digne de folie! Devil boy. Oh, wait. Better listen to what others say, lad.
This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what something is. Remember that. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Ok. Je pense qu'en temps, je suis mauvais à cause du boss. Putain. On se fait du S. Point de style, c'est dégâts D. Ça fait toujours du B. Hein. On me demande c'est quoi mon pseudo PS4. C'est Sorator. Mais j'accepte plus les demandes d'amis. J'étais monté à 550, donc c'est complètement inutile et invivable. Donc j'accepte que ponctuellement pour les lives par exemple, si quelqu'un veut participer à GTA. C'est possible. C'est ce qui me met des vents. Ouah. Qu'est-ce qu'il se passe? Salut Acide. Quoi? Monsieur et Madame Go? C'est une fille? Comment l'appelle-t-elle? Wendy? Parce que Wendy Go! D'accord. Dante, l'homme au bon infini. Ah bah. S'il y avait que ça d'étrange dans le jeu. Mais je sais pas d'où l'on sorti, mais c'est bien au moins, les persos sont un peu plus intéressants que dans le 2. Alors un petit coup d'œil à la personnalisation. J'ai bien envie d'améliorer un peu plus. Déjà on repasse sur Trickster, je pense, hein, sérieusement. J'ai même pas envie d'essayer Royal Guard. Est-ce qu'on améliore les armes? Je sais pas. On va peut-être essayer ça. Hop, on maintient triangle. Le double saut, j'ai pas assez de sous, ok. On va essayer ça, ça coûte 7500. On prend. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'armes non plus. Bon, on améliore un peu, hop.